1. Tu dis pas 2? Non, c'est pas 2. Ah d'accord, alors comment faut... 1. 1. 1. Est-ce qu'il faut qu'on parle un peu plus fort? Arrête, on va nous entendre. Du canard. 1. 2. 3. Making of. Le choix du scénario, c'est tout simple. Un scénar, un yo, scénario. Non, le scénario, c'est pas nous qui avons choisi. Bah, en fait, on avait la chanson, elle s'y prête. La chanson, c'est une histoire de cow-boy, un cow-boy ragard avec qui se fait rejeter, tout ça. Et donc, du coup, la chanson, elle s'y prête pas mal, quoi, non? C'est vrai, non, et donc, du coup, bah, le scénario, il est venu un peu comme ça avec. Avec Florian qui a longuement travaillé sur la question. C'est la cousine d'un copain, du cousin d'un ami. Du frère qui est marié avec sa mère. Voilà. Et donc du coup, forcément, le projet l'intéressait, donc elle a monté sa propre équipe avec des gens ultra compétents. On peut le redire? Ultra compétents. Ultra compétents. Ouais. Très des bons. Oh, ouais, c'était vraiment cool. Et du coup, on lui a fait confiance sur le... De A à Z. Voilà. En passant par toutes les lettres de l'alphabet. C'était des étudiants, mais les étudiants... Dans les études, quoi. Ouais, dans les études. Les gens qui... Mais vachement étudiants. Par contre, ils n'avaient pas de cartable. Il y en avait très peu qui avaient des lunettes aussi. Alors qu'on sait tous que les lunettes, c'est pour les étudiants. Du coup, comme les miennes. C'est quoi la question? Tu sais que Chantal Goya, quand elle va faire des interviews comme ça, elle demande d'allumer la mandoline. Vous connaissez la mandoline? La mandoline, c'est une guitare qui se met au-dessus d'une caméra. Hein? La mandarine. Mandarine. Quelle est la différence? Mandarine, ça se mange, la mandoline, ça se joue. Et Chantal Goya, donc elle n'a pas joué dans le clip. Non. Pour info. Elle est dommage. Pas celui-là. On aurait bien aimé, hein, mais. Pas celui-là. Elle était trop chippée. Elle chante quoi déjà? Bah, elle chante des chansons de merde. Petite colonie. Comme les trois fromages. D'accord. Les personnages qu'on joue dans le clip, on a tous un rôle bien défini, quoi. Moi, j'avais un rôle de mariachi. Mariachi, donc. Comme son nom l'indique, c'est... C'est les photos Mariachi, quoi. Bah, c'est bien. Moi, j'ai joué Marius. C'était le méchant cow-boy. Le cow-boy qui a la classe. La classe. Le cow-boy assez classe, avec un putain de colt, avec un putain de cache poussière. Un putain de cheval. Sapé en noir, un putain de cheval. Chevaux. Oh putain. Chevaux. En fait, l'histoire des poneys et des chevaux, c'était... C'est Fab, un pote de Quiberon qui tient l'écurie du Rohu, ça s'appelle. Et en fait, il a eu l'aimable amabilité de venir avec ses animaux. Et bref. 1, 2, 3. Bon, making of. Et moi, je joue le rôle d'un cow-boy ringard. Le cow-boy principal du film. Ouais, je joue beaucoup. Le personnage de la chanson, quoi. Et bref, cow-boy ringard qui se fait allumer. Enfin voilà, franchement, un rôle de ouf, quoi. Maquillé tout le temps. Des séances de maquillage à 7h le matin, quand même. Hein. Et c'est pour ça que je voulais pas trop jouer dans le clip, moi, justement. Parce qu'il y avait beaucoup de maquillage. Et donc du coup... Vas-y, monte-le un jeu d'acteur là, fais genre l'étonnement. Sans les lunettes. Et fais genre la surprise. T'es beau, qu'est-ce que t'es beau, qu'est-ce que t'es beau, t'es beau, t'es beau. Allez gars, la bomba. C'est une vidéo.
figurants. Les figurants, bah écoute, on a fait des appels en fait, et puis, on a pris des amis, ça s'est fait un peu sur le tas quoi, pour les figurants, et c'était sympa parce qu'on voulait partager ça avec, avec nos proches. Et, la famille quoi, tu vois. Malgré tous ses efforts, il en voulait toujours plus. En tentant de se donner la mort, il tomba dans un cactus. Oh, regarde la caméra, regarde la caméra. Aïe 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 aïe. Vraiment la tête là. Aïe 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 aïe. Et la tête. C'est la classe, ça. Faut on lui met pas la banane là. Non, non, là on voit rien. Tu veux, on peut enlever le petit bout de la barbiche. Eh oui. Petit poney. C'est quoi, petit poney. Tu es tout gris et tout petit. Petit poney. Non, enfin, tu regardes pas la caméra. Là, c'est bien, là, c'est bien. Allez, Willy, c'est de la banane. J'étais pas là, moi. Ça, j'ai pas voulu le faire, tu vois. C'était un peu trop déplacé, je trouve. Non, c'était quoi. Il fallait faire semblant de faire pipi. Et il m'avait mis une banane avec un tuyau dedans. Alors le mec a bien fait ça. Il a fait un trou. En gros, vas-y, je t'explique. C'est très nul. Alors, on tient à dire à tous nos fans et à tous ceux qui ne sont pas fans, qu'ils aillent tous se faire... Non, tu mettras pas ça dans Making. Non, Making. Un dernier mot, merci à tous et à toutes pour nous avoir donné tant d'espoir, d'amour pour ces victoires de la musique. En tout cas, retrouvez-nous en concert si on n'est pas mort avant ou sur cette adresse. Dans les flammes, la flamme de l'enfer. C'est le making of. Ouais, comme d'habitude, on marche pendant des heures. Nous, on a. C'est une vidéo. Ah, c'est une vidéo. Message à faire passer. Notre organe, c'est de marcher. Avec la banane, Molly. Avec la banane. Icarie, c'est la marche à pied. Il n'y a que 35 km.